africaine, elle aussi a un nouveau commandant, le général-major Kabi, qui Riza va diriger les hommes en botte protecteur du président de la République avant sa nomination en remplacement du général Christian Tshiwewe. Il était numéro 3 à la tête de cette unité présidentielle au nombre des généraux nommés et élevés en grade de général-major. Se classe également 3 sous-chefs d'état-major, dont le général-major Christian Daywel, nouveau patron de renseignement militaire. L'actuel chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, sera secondé par 2 chefs d'état-major généraux adjoints. Il s'agit de Léon-Richard Kasongo, ancien porte-parole de l'armée. Il est désormais en charge de l'administration et des logistiques. Le général Jacques Kishale Gonza, il est nommé en charge des opérations militaires. Au nombre des généraux élevés en grade et ensuite nommés, il s'agit d'abord du général-major Kabi Kiriza, nommé commandant de la garde républicaine en remplacement de l'actuel chef d'état-major général. Il était numéro 3 jusqu'avant sa nomination à la tête de cette unité présidentielle. Le général-major Jérôme Chikoti Tambwe est nommé sous-chef d'état-major général en charge des opérations militaires. Il assumait la même fonction au sein de la garde républicaine. Le général-major Kiponga Bora est sous-chef à la logistique. Enfin, le général-major Thomas Kisezo, il est nommé sous-chef d'état-major général en charge de l'administration. Le général-major Christian Daywel prend le commandement du renseignement militaire ex-DEMIAP en remplacement du fait Delphin Kaimbi. Le commandant suprême des FARDC a aussi nommé des nouveaux généraux de brigade, parmi lesquels Sasanzita, Mouloumé Mouderoua, Mouyou Kongolo Fabrice, Moulumba Kabanangi, Mouyumba Malango et Iyengeli Christophe. Cette série des ordonnances s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'armée engagée par Félix Tshisekedi.